Eh bien oui, bienvenue sur Hôte Éternel, en ce deuxième jour de septembre. Et le deuxième jour, il leur dit, ça y est, c'est parti. Allez, le Macron en boîte, là. Hulot président, bon, Merluchon. Bon, c'est Merluchon. Nous sommes donc le dimanche 2 septembre. C'est en sol. C'est sol, air. Tu vois, c'est pour changer d'air et d'air. À partir de maintenant, toutes les lois seront votées par les peuples. Tu vois, le pouvoir part pour et avec les peuples. Part pour et avec la force de l'esprit, vous serez les témoins. Ton sol, mi pas sol. Fait du gitan avec ça. Voilà, c'est pour la première partie. Je vais monter à Drape. Je vais ramener 2-3 figues à Tata. Tout à l'oracle. Là où la boule de feu est entrée. En vérité, je vous le dis, qui même me suit, demain, tout le monde arrête de payer les trucs publics. Ils seront bien dans la merde. Il faudra qu'ils sortent des sous de leur poche. Bon, je comprends que Ciotti, il n'est pas du 20 ou 30 000 euros par mois de coiffeur, qu'il n'a pas de cheveux. Ou alors, il paye pour le rasage. Mais le Macron, là, chaque fois qu'il met sa houppette de feu, D'ailleurs, je parierais qu'il est du groupe sanguin A négatif. Il est largement aussi con que Diego. Il n'y a pas d'âme là-dedans. On va faire une étude sur les groupes sanguins que je vous dis. Que je te le dis. Sinon, ça va. On dirait que ça filme. Bon, on ne voit rien. C'est normal. Éternel, il a du matos à la go. Hein. Le ministère de l'Extérieur, il a pas une thune. Hein. Non, vous comprenez pas encore. J'ai taché ma chemise. Oh, pour une fois que j'ai une chemise blanche. T'en as rien à foutre, moi non plus. Ça qui est rigolo. Dans l'espace et le temps, à travers l'espace-temps, ô Seigneur, Maître Tout-Puissant. Fais-leur comprendre que la vitesse lumière et son diamant. Fais-leur comprendre que tu es un point de restauration de système et que ça démarre. Annonce-leur que tu prépares ce monde meilleur. Annonce-leur tout plein de trucs. Puis ils ne peuvent pas comprendre. Ils sont pas branchés du cerveau ou du disque mou. C'est normal. La pollution électromagnétique, ça nique tout. Tous ces gosses qui passent leur temps à jouer aux tablettes de merde, aux jeux vidéo de mes couilles. C'est comme tous ces gens qui regardent la télé tous les soirs comme des bœufs. C'est pas ça la vie sur Terre. C'est pas du tout ça. Maintenant on va rétablir un vrai ordre. Dans le désordre public des impôts de mes couilles. Offrez donc aux Français une paire de couilles. Là, on part en moi en R, lundi, demain, rentrée. On s'accorde, plus personne ne paye rien. Planétairement parlant. Il y en a marre de payer les costards-cravates, là, leur brushing, leur lingerie de merde et leur partouze et tout ça, là, c'est fini ça. C'est fini. Le monde ancien s'en est allé, ciao, dégage, barre-toi. Un bon riche, c'est bien quand il est mort ou quand il a tout redonné, tout ce qu'il a pris. Dans l'esprit, le temps et l'argent n'existent pas. Rappel. Non, le temps n'est pas de l'argent. Plutôt de l'espace-temps. Supprimons l'argent et il nous restera le temps de vivre dans l'espace, notre espace. Vous avez la carte, mais pas l'entité. C'est pas de ma faute. Moi, j'ai pas la carte, mais j'ai l'entité.
sais d'où je viens, je sais où je vais, je peux même savoir quand je vais crever, je pourrais même savoir les numéros du loto, j'en ai rien à foutre. Moi, j'apprends miséricordieux dans mon passage sur Terre, dans mon espace-temps. J'aime bien tout le monde, je m'entends avec toutes les religions, je m'entends avec tout le monde. Mais j'aime pas les cons. C'est comme je disais à mon ancien patron, c'est mieux vaut être sous que con, ça dure moins longtemps. Tout est con, t'es toute la vie. Hein. Les abrutis qui changent pas d'avis. Par contre, c'est les 10 ans de télé éternelle. Aujourd'hui, on 28, 29, 30, 31. 2 mois et 5 jours de chef d'état d'âme. En vérité, je vous le dis, ça va chier. Mais ce sera pas de ma faute, ce sera rien du tout. Tu sais, les tremblements de terre, les machins, les tsunamis, les trucs. C'est pas moi. Les petits orages, tout ça, c'est pas moi. Pour vous faire comprendre que la nature va bientôt reprendre ses droits si vous arrêtez pas d'être con. Hein? Le Roundup, hein? Areva. Hein? Areva. Voilà, voilà, la première édition pour ce. Ça va être le 15h là. De ce deuxième jour de septembre de l'an de grâce 2018. Pouette. Envoyé spatial, portée éternelle, de retour du cosmos, de retour de, ouais, de la noosphère, de retour de tout ce que tu veux, le retour du Jedi aussi. Plein de lance-pierre dans la tête à Macron, une grosse gousse d'œil, le nouveau jeu interplanétaire, tu sais, avec une fourchette, un élastique de la poste, t'allumes la tête de tous les hommes politiques, mais avec de l'ail, c'est rien. Écoutez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail. Ton, ton, ton. Et oui.